Yo les gens et bienvenue sur la chaîne Les Tutos de Vel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, comment cuisiner une mayonnaise maison. Alors, pour cuisiner une mayonnaise maison, on va tout d'abord avoir besoin de moutarde. Alors moi, j'ai choisi une moutarde aigre douce pour que la mayonnaise soit un peu plus sucrée. Voilà, au niveau du goût, ça sera vraiment meilleur. Après, tout dépend de vos goûts. Vous pouvez très bien prendre de la moutarde basique. Ensuite, un œuf, du poivre, du sel, de l'huile de tournesol et du vinaigre blanc. Alors la première étape, ça va être de casser votre œuf, de conserver le jaune d'œuf et de le verser dans votre saladier. Ensuite, vous allez y verser la moutarde et une cuillère à soupe d'huile de tournesol et vous allez mélanger à l'aide de votre fouet. Après avoir bien mélangé la préparation, vous allez rajouter une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Puis vous allez continuer à mélanger la préparation. Au niveau de l'huile de tournesol, il existe une technique plus traditionnelle qui consiste à verser l'huile par filet petit à petit en mélangeant la préparation, ce qui donnera une sauce plus consistante. J'ai délibérément choisi de ne pas utiliser cette technique pour la simple et bonne raison que je préfère une sauce moins consistante pour ma mayonnaise maison. Mais vous pouvez très bien l'utiliser pour votre propre mayonnaise si vous le souhaitez. Vous allez maintenant ajouter le sel et le poivre, vous allez de nouveau mélanger. Puis, vous allez ajouter une cuillère à café de vinaigre blanc dans la préparation, mélanger et verser votre mayonnaise dans un récipient ou un pot à sauce ou un ramequin, comme moi sur la vidéo. Si vous en avez, n'hésitez pas à ajouter des petits morceaux de ciboulette, ça donne énormément de goût et de saveur à votre sauce mayo. Voilà les gens, ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à lâcher un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à checker la playlist Les Tutos de Vel où vous retrouverez tous mes tutoriels sortis à ce jour. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao !